Bah on est encore au mois d'août, alors on a la pêche. Comment allez-vous Nous sommes mardi. Eh, quoi Déjà, mais on était mardi déjà il y a quoi À peine une semaine. Bref. Euh, nous sommes mardi, mais pas n'importe quel mardi, nous sommes mardi 27 août, dernier mardi du mois. Donc, euh, bonjour à tous ceux qui ont pris le temps de, bah, de venir euh, nous rejoindre aujourd'hui. Birout, euh, Better Betrave, Nocika, Sarianox passe à des meilleurs. Owen, évidemment. Alors, Owen, tu t'en vas, alors. T'arrives, hop, et déjà, t'es parti. Ok, d'accord. Salut, Francis Cabrel, Bandini. Salut, ma bande de jeunes à moi. Ah. J'ai le droit de m'approprier cette bande. Euh, je tiens à remercier... Euh, Devinez qui 43 e mois d'abonnement. Sébi euh, Scariot, 41 e mois d'abonnement. Et Oscar Tillage, 64, 64e mois d'abonnement. Il ne sera jamais euh, rattrapé, Oscar. Donc je vous fais un cœur collectif à tous et individuel aussi. Comme ça, voilà, vous en avez pour tous les goûts. Euh... Et le grand loulou à casquette. Moi, je ne suis pas très grand. Hein. Que, alors on me demande souvent euh, on me dit, mais euh, Denis, euh, sans parler de ton talent, mais tu fais quelle taille ah. Euh, donc, j'ai découvert cet été qu'en fait, je faisais plus du tout la taille moyenne française, euh, puisque je fais 1m75 et en fait, il paraît que la moyenne française a augmenté. Maintenant, elle est 1m76. Donc, je peux dire tout à fait sereinement, je suis sous la moyenne. Voilà. Oui, moi, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Ah, bah écoute, Beirut, euh, welcome back, j'ai envie de dire. Même si je te suis euh, de façon assidue sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je cherche une vanne pour le t-shirt, mais, mais en fait, non, il est cool. Euh, alors, c'est un t-shirt qui est fait par une amie qui est activiste, euh, qui est d'origine de San Francisco. Elle fait des bijoux aussi, des boucles d'oreilles, des pendentifs. Euh, elle est activiste sur le sujet, évidemment. Je fais 1m80, mais c'est quand même toi le plus grandiose cartilage. Moi, j'aimerais bien faire 1m80 parce que je trouve qu'il y a pas mal de trucs qui vont bien à 1m80. Par exemple, choper les, les paquets au dernier, surtout euh, sur, tu vois, sur le, dernier, le rayon le plus haut, ou des trucs comme ça. Bref. 1m91, vous savez ce que, que je pense de la moyenne française, dit Bandini. 1m91, là, on rentre dans la, rentre dans la zone, c'est plus pratique pour s'habiller. Hein. Mais non, je déconne, c'était moi. Il est joli ce t-shirt avec la mascotte des JO. Merci, Patrick. Euh, 1m90 de théâtre, c'est pas pratique. Ah, oui. Non, mais y a plein de... Bon, après, toutes les tailles ont des côtés pas pratiques. Euh, petite, euh, bon, petit tour des anives du jour. Allez, les anives du jour. Qui, qui est né un 27 août Alors, pas moi, vous le savez, parce que moi, je suis né un 17 août. Comme ça, vous pouvez le noter pour l'année prochaine. Je vous laisse une seconde. -y. 17 août, anive de Denis Denis. Allez-y, hop, c'est bon okay. Euh, dans l'ordre chronologique sauf le dernier parce que c'est le reveal du jour, Brrr, 1962, Gustave Carverne, alors Gustave Carverne ce qui est drôle c'est que si vous allez sur sa page Wikipédia, euh, c'est pas marqué qu'il est français, c'est marqué qu'il est grolandais, voilà. Gustave Carverne, fantastique acteur français, euh, et un, un des joyeux drilles de euh, évidemment de, euh, de Grolande. Euh, 1979, Aaron Paul, euh, acteur américain, euh, qui a été révélé au grand public euh, dans... Euh, c'est quoi cette série déjà, Breaking Bad Salut Belgique, comment vas-tu Et... Et Néferlange Nefer, Qu'est-ce que tu dis mon frère Gustave Carvin, c'est ton frère Mais non. Non, mais vous pouvez me fêter ça l'année prochaine. Normalement, je serai toujours là. Hein. Bonjour, la saison finie, il recommence à la vie. Bah ben oui, Scornugne, comment vas-tu Et bonjour, petit Fred. Bah ben, dis donc, tout le, monde, tout le monde est revenu de vacances. Je disais donc 1979, euh, Aaron Paul. 1992, c'est pas un anniversaire vraiment, mais en fait c'est un peu un anniversaire. C'est la première sortie, 1992, première sortie d'un Mario Kart, euh, bon là c'est la sortie japonaise euh, le 27 août, euh, qui s'appelait euh, Super Mario Kart, euh, déjà il était super hein, le premier, euh, euh, de 92 à il euh, y a deux ans, je crois que le dernier c'était en 2022. Ils en ont quand même écoulé près de 200 millions des Mario Kart. Ça commence à faire beaucoup. Le numéro 1 des ventes étant euh, Mario Kart 8, auquel tout le monde a joué, je crois qu'il y a 4 ans. C'est sorti de 2020, c'est ça euh, Tout le monde a joué à Mario Kart. Évidemment, tout le monde, des générations entières, ont joué à Mario Kart. Euh, salut Trackman. Non, c'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui. Ah Eh bien, écoute, joyeux les anniversaires à ton frère. Nono Luarico, merci, 40e mois d'abonnement de rentre sympathique à toi, tu sais que ça... Chaque abonnement, ça nous fait grandement plaisir, et puis ça finance aussi tout ce petit studio, là, euh, qu'on a, parce que finalement, c'est pas... Euh, c'est pas donné donné, Nous, les Steam Deck, on nous les donne pas comme les Youtubers, hein. nous, on les achète euh, premium. Le fameux jeu de cartes avec Mario, merci Oscar. Euh, et, et, et... 27 août... Allez, ah, le reveal 27 août, ce joueur de saxophone. Alors, pourquoi ce joueur de saxophone, nonobstant le fait qu'il soit né le hein, 27 août euh... Attends, euh, Patrick, je te réponds juste après. Euh... Bon, ça personne va trouver parce que bah, voilà, quoi c'est un mec qui est né en 1909. Donc, euh, il est né il y a, y, a, y a 115 ans. Donc, euh, personne ne le connaît. Peter Lorne, non, c'est pas lui. Euh. Un indice, euh, son surnom c'était The Prez, pour le président. The Prez. Un surnom qui lui a été donné par Ella Fitzgerald avant qu'elle soit connue. Non, ah, non, Charlie Parker, il est né beaucoup plus après. Euh, Dizzy Gillespie aussi, il est né après. Le 1909, ça commence à faire vieux. Hein. C'est Lester Young. Lester Young, alors Lester Young, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez m'écouter avec ça dans les oreilles. C'est du miel, voilà. Euh, Lester Jung, pourquoi Lester Jung Bah en fait, euh, allait naître dans ce dans ce jazz des années 30, euh, le bebop, donc qui allait vraiment euh, révolutionner le, le jazz. Et Lester Young, il fait, bah eh ben pas moi. Moi je veux pas faire de bebop. Moi je vais faire du miel dans vos oreilles. Et il a Imposer un style de euh, de phrasé de saxophone très euh, très lié très mélodique. Ces euh, solos étaient absolument euh, fantastiques. Euh, donc voilà, euh, bah, cliquez là-dessus. Donc ça c'est une des compiles de Verve euh, qui a été une de ses maisons de disques. Euh, je pense euh, je, de mémoire, je crois que c'est la troisième, c'est la troisième compile euh, Vous pouvez écouter les deux premières de hein, façon euh, indiscriminée. Euh, voilà, vous allez, bah, vous allez me dire après, bah ouais, bah, forcément, ça rox du poney, comme ils disent les jeunes. Euh, J'avais pris des notes parce que, donc, quand je vous dis influence, il a quand même influencé des mecs qui allaient faire du bebop après, puisqu'il a influencé Miles Davis, euh, le roi du bebop, il a influencé Lizzie Gillespie, bon là, il y a un peu de phrasé quand même, et euh, Charlie Parker. Donc, euh, c'est pas, c'est quand même pas de la merde. C'est pas de la merde, c'est Lester Young. The Press. Euh, bon, ça y est, vous avez appris un truc, on peut, euh, on peut y aller. Ah, ma, ah, Malmi nous gratifie de son 25e mois d'abonnement, cœur sur toi, mon gars. Et Nono le Haricot aussi, dis donc, 40e mois d'abonnement. Bah, allez, arrêtez. Déjà, le mardi dernier, vous avez fait plein d'abonnements, je savais plus vous donner de la tête. En même temps, il s'appelle Lester Young alors que c'est le plus vieux. C'est pas très intuitif. Ouais, alors à un moment, il était, il était, jeune, Lester Young. Le jazz et la téléphonie, quoi. Moi, c'est Madame Malmi, Madame. Euh, merci Malmi pour ton abonnement, Madame ou Monsieur. De toute façon, indiscriminée, euh, on te remercie. Euh, donc, alors, tac, tac, tac. Ça, c'était les anniversaires. Voilà. Pas d'autre anniversaire chez vous, c'est bon. Il y a juste le frangin de Néferlange. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait Alors attendez, parce que alors donc contexte. Hier j'étais faire la maillot jaune. Hier c'était un peu le Dawa. Euh, pourquoi Parce que on était. Alors je vous rappelais la semaine d'avant. La semaine d'avant on était euh, on était à peu près 80. Oh bah dis donc Denis, il y a ta casquette qui hop, qui rentre plus dans le bon, c'est pas grave. Vous venez pas pour ma casquette. Euh, qu'est-ce qu'on a Oui, qu'est-ce qu'on la semaine dernière On a fait ce tracé. Hier, on a fait un autre tracé, mais hier je voulais vraiment faire du vélo euh, sans contrainte, donc hier j'ai pas pris ma caméra. Voilà. Donc on va voir la maillot jaune de la semaine d'avant. Oui, puisque normalement la maillot jaune je la fais le lendemain, quoi, puisque c'est tous les lundis. Qu'est-ce qu'on a fait donc, dis donc bah, On est parti de Bastille hein, comme d'hab. On a traversé, on a été en zone hostile euh, AKA, la rive gauche. Euh, on, a, on, est, on est passé dans le quartier Latin, euh, fait le tour du jardin de Luxembourg. Euh, reparti vers l'arrière d'Invalide, euh, l'arrière du champ de Mars avec encore donc, les installations euh, des, des Jeux Olympiques. Ensuite on est monté, là, tac tac tac, on est, ça, ça c'est le pentu là, oui, on est monté dans le 16e. Pour passer, euh, place. Euh, J'allais dire place de la Concorde, mais pas du tout. Place du Trocadéro, merci public. Ensuite, on est remonté place de l'Étoile, fastoche. On, on a descendu les champs Élysées comme des maboules. Et après, euh, on est reparti par euh, les grands boulevards. Et ensuite, euh, terminé au, au blé d'art, euh, comme d'hab, sur le canal Saint-Martin. Voilà. Perso, je viens pour la casquette, dit Francis. D'accord, ok. Ah bah Zoryl Mogul aussi. Bonjour à toi, Zoryl Mogul. J'ai pu suivre ton conseil cet été, rouler dans Paris le matin avec hard pepper dans les oreilles. Merci, c'était magique. Traxam. Si ça a marché avec une personne, moi ça me comble de joie. Parce qu'effectivement, alors attention, pas écouter la musique trop fort, euh, parce que sinon on n'entend pas le trafic. Bon là après, si t'étais vraiment trop, très tôt, il ne devait pas y avoir grand monde, effectivement. Euh, tac tac tac, qu'est-ce que j'ai euh, oublié personne euh, Venez surtout pas la maille au jaune, on est déjà trop nombreux, c'est complet, dit Patrick. Oui, parce que donc euh, ce lundi-là, on était 80, donc ce lundi-là, là, ici, là, hop, on était 80. Hier, on était 130. Ça commence à poser, ça, ça commence à poser un problème logistique, Oui. Salut Maurice, comment vas-tu T'es pas très loin de la maison de Bazac, t'as fait un tour là-bas. Euh, bah Non mais euh, je peux, euh, peux vous emmener là-bas. Hein. Pas de. Pas de soucis. Euh, donc... mais euh... bah, dis donc. Ah. Euh, petit euh, contexte. Vous êtes nombreux à me demander du contexte. Petit contexte, on est 80, vous venez de voir le, voilà, le, le tracé qui est là. Et on part gentiment. Euh, donc, ça, c'est la, la, la rue qui est avant la, la rue de Rivoli. dont j'oublie toujours le nom, mais c'est pas grave, hein, elle est là. Ah, attendez, on l'a vu. C'est -ce vrai que j'ai une espèce de mémoire sélective. Je me rappelle jamais de. Euh, ah bah, euh, rue Saint-Antoine, rue Saint évidemment. C'est ça, non Oui, rue Saint-Antoine. Rue Saint-Antoine qui va se transformer ensuite, évidemment. En rue de Rivoli. Et il fait chaud. il fait chaud. Je ne sais pas comment il fait en jean. Moi, je suis en short. Je roule sur mon petit vélo de voyage. Euh... Ah, oui, alors, une nouveauté j'ai réinstallé, c'est pas une nouveauté, enfin, une nouveauté sur le vélo, mais j'ai réinstallé euh, mon guidon en carbone, qui a une courbure un peu plus ouverte. Et en fait, je trouve ça très, très agréable. Donc je crois que je vais le garder, ce petit guidon. Sachant que sur ce vélo, vous l'avez vu hein, sur les deux dernières années de diffusion, sur ce vélo, j'ai essayé euh, six ou sept guidons différents. Et des fois, quand, quand ça passe pas, ça passe pas. J'y suis allé une fois à la maison de Balzac, la concierge me dit qu'il n'était pas là. Oscar, on compte sur toi pour les blagues de daron, hein. des trucs qui tombent un peu à plat, euh, parce que personne veut prendre le, une balle pour l'équipe. Là, il n'y a que toi hein, qui peux nous aider. Euh, oh, la prochaine fois, demande un café, dit Bajiba. Voilà. Par définition, la mémoire est sélective. Attendez, Bandini nous fait un cours. Euh... Sinon, on se souviendra de tous les fois où on a. Bah, dis donc. Euh. Je sais que par exemple, les, les... moi ça marche très bien, mais les expériences qui ne sont pas agréables, j'ai tendance à pas m'en rappeler, et les expériences agréables, je m'en rappelle très bien. Vous voyez, par exemple. Donc là, j'essaie de rouler pas trop vite pour me faire doubler un maximum, comme ça, euh, ceux qui étaient à la maillot jaune, bah, vous vous voyez. Voilà. Ah bah regardez, ça c'est euh... Louis Ferdinand Sebum devant vous. Ouh là là, dis donc, âge un peu cavalier. Qui surgit hors de la nuit. N'importe quoi. Et donc là, on est arrêté au feu rouge. Mais je pense qu'il y a un groupe devant. Oh, le mec, qui passe en slalomant, en vélib. Vous inquiétez pas, on va, br... on va brûler des feux rouges. Ne vous inquiétez pas. Hier, il m'est arrivé un truc qui m'arrive pas souvent à la maillot jaune. En passant dans la rue, je me suis arrêté parce qu'à la terrasse d'un troquet, il euh, y avait un collègue d'un autre média de jeux vidéo, en plus que j'avais vu à Cologne euh, la semaine dernière. Ah oui, j'étais en Allemagne. Oh là là, J'aimerais bien vous expliquer, mais... Tu as, tu as déjà roulé en sneakers pour pédale auto Alors Francis, moi je ne roule que en sneakers euh, pédale auto principalement euh, des Adidas euh, Vélo Samba. Mais récemment, j'ai fait l'acquisition aussi d'une paire de Stan Vélo. C'est des Stan Smith euh, qui sont euh, avec une cale. Voilà. Dis donc Denis. Ah bah non, c'est mon ami. Salut tout le monde, désolé d'être à la bourre. Salut Hoc, oh, comment vas-tu Ça fait 10 minutes que j'essaie de vous rattraper à pied. Salut Biarritz, comment vas-tu Vous inquiétez pas, je suis là pour prendre des belles, nous dit ce merci à toi. Je viens de me voir dans la vidéo. Biarritz, bah voilà. Bah attends t'es qui alors Biarritz Rappelle-nous, tu roules sur quel vélo Qu'est-ce que... Ah bah dis donc Denis, hop sur les trottoirs, carrément. Ah oh, j'ai rajouté... Ah oui, je m'en me rappelle... rappelais plus, j'ai rajouté mon petit porte-paquet devant. Je trouve que ça, ça donne un, un petit air euh, citadin à ce vélo. Comment ça, le Louis Ferdinand Bum, bon. Il y en a qu'un. Hein. C'est la sortie de la semaine dernière, bien, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'était lundi, il y a huit jours. Oh, regardez, c'est Myriam. Euh... Salut Alain Baching, comment vas-tu Comment ça, tu t'es arrêté hier soir C'était roulant. Ah oui, non, mais euh, dans le loco, je me suis arrêté. On, est, on, on venait de partir, en fait, depuis dix minutes. On est passé rue Jean-Pierre timbaud et puis là, bah voilà, bah, moi, il y a tous mes possés qui sont là-bas, en, en terrasse des Troquets, à cette heure-là. T'imagines, à 20h, ils sont pas en train de faire de la bicyclette, eux, hein, ils, sont, ils sont à l'apéro. Euh, alors, attends, alors, Biarritz, tu roules sur quoi, et es habillé comment Merci Alain Baching pour ton 44 e mois d'abonnement, cœur sur toi et tous, les temps, et tous les gens que tu aimes. Et bonjour à toi... Prochaine étape, aller en Allemagne à vélo. Euh, merci NetExplores euh, Net et bienvenue à tous tes viewers et followers. Euh, vous êtes sur la chaîne de Canard PC, ne réglez pas votre euh, télé. Et oui, on fait du vélo. Voilà, bah écoutez, c'est une fois par semaine, c'est le mardi, c'est à 14h. C'est Let's Bicyclette avec Denis Denis. Euh, mais vous inquiétez pas, demain il y a l'émission de Canard PC où on va parler jeux vidéo essentiellement et un peu drama Twitter. Parce que bah, le drama... Ouais rigolo. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la Gamescom Parce que du coup, moi j'ai passé. Si j'ai passé trois jours là-bas, c'est pas pour rien. Hein. J'ai la même guideline que Sebum, nous dit Francis Cabrel. Ah, un peu genre euh, Simili cuir percé là. C'est très joli. En plus, lui, ça va avec sa selle, parce qu'il a une selle Brooks en cuir. Attendez, hey, le mec est rédacteur en chef. Donc euh, hop là. Voilà. Brooks en cuir. Un vélo noir, j'ai un foulard jaune et un sac à dos. Qu'est-ce que t'as en vélo Attends mais c'est quoi ton vélo noir C'est quoi C'est un route C'est un, un Brompton C'est un, un Vélib C'est quoi ton vélo T'as filmé l'interview de Mitty aussi? Mais non, Dra Loco, j'ai pas filmé l'interview de Mythi. Pourquoi, pourquoi j'aurais filmé Bonjour Harper Harper, pardon et euh, net explorer fait l'Asie à vélo oh, c'est énorme ça mon frère bah, je vous ai dit parce que je vous ai dit toutes les semaines mon frère est au milieu du colorado là il est en train de terminer le great divide qui va du canada jusqu'au mexique en passant par les montagnes rocheuses euh, je crois que là il vient il vient de dépasser les 3000 km et il reste encore 1500 bornes je crois As-tu eu des curivures de cette année Alors, Alain Baching, non, parce que j'ai pris, euh, pris une schnitzel à la place, <coughs> mais... <coughs> pardon. Mais on a été dans mon Garten favori, qui est juste en face de la cathédrale moche, là. Oh, la cathédrale noire, pardon. Biarritz roule en vélo de route noir, avec un foulard et un sac à dos. Bon. C'est un peu Where is Charlie, ton truc, hein donc là, il est en Corée du Sud, mais c'est dingue, Harper, parce que mon fils est en Corée du Sud. Il vient de partir de Busan euh, hier, et là, je sais plus, il est dans un. J'ai pas, pas retenu le nom. Euh, il est au nord de Busan. C'est dingue, ça. Comme quoi, la vie, c'est incroyable. Birut demande T'as bien mangé Non, j'ai mangé. En Allemagne, on mange. Hein. De toute façon, j'étais là trois jours, j'ai fait Kartoffel, Schnitzel, Wurz après il faut s'en aller parce qu'après c'est carte folle à nouveau tu vois la schnitzel on a agrémenté un petit peu avec des bretzels euh, au fromage salut casédi comment vas-tu depuis hier toujours eu peur des sel brooks avant que ça se forme bien c'est quand même sacrément dur bon, alors fabrice pas plus que euh, les sels que j'ai moi qui sont euh, avec mousse minimaliste et rayon titane hein. Euh, moi, mes selles, c'est des vrais bouts de bois, quoi. Et puis ça se fait pas, c'est-à-dire que c'est un, un bout de bois quand tu l'achètes. Deux ans plus tard, c'est toujours un bout de bois. La selle Brooks, euh, deux ans après, c'est un peu affaissé elle a pris le. Eh ben, bah écoutez, j'irai voir le, le, la chaîne, euh, cette chaîne de cyclistes en Asie là. Alors ça, ça les petits amis, lui, il fait pas partie de la maillot jaune, mais il a tout mon respect. Hein. Regardez comme il est chargé. Les paniers, le sac à dos, le surpanier. à, à l'avant, il n'a rien en revanche. Non mais il est bien chargeuse quand même. Hein. Ça fait super plaisir de te croiser hier, cher Denis Denis. C'était bien, bien la maillot jaune. Mais oui, Casadi, euh, je suis d'accord avec toi. S'il y a un côté agréable, parce qu'on roule tous ensemble comme ça, comme des idiots. Euh, dans Paris, il faut savoir qu'on part à 20h, donc à partir de 20h15, euh, 20h30, il n'y a quasiment plus personne dans les rues, donc euh, effectivement on peut, euh, bah, on peut prendre un peu l'espace, le, parce que c'est vrai qu'à euh, plus de 50 personnes, on commence à prendre de l'espace, hein, euh, surtout plusieurs fois 50, là on prend vraiment beaucoup d'espace. C'est terrible, chaîne de JV, tout ce qui nous intéresse, c'est la bouffe. Alors, euh, ouais. Puis alors, quand on est euh, fan de, de, alors vous voyez, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui connaissent pas les sorties à euh, bicyclette, euh... là vous regardez, et là il y a, et là il y, y a un petit jeune homme euh, sur, sur votre droite qui arrête la circulation, voyez, pour éviter un, un esquidon. Alors là, voilà, ça, typiquement euh, erreur de débutant au Tour de France. Je me fais enfermer par euh, ces deux concurrentes qui sont de toute évidence des sprinteuses parce qu'elles ont un peu de mal en montée. Euh, oui, les sprinteurs et les sprinteuses généralement dans les étapes de montagne. Euh, et là, je me fais coincer. Ah, regardez, vous voyez et je me fais doubler par tous mes amis, notamment euh, Louis-Ferdinand Sebum, lui qui est grimpeur. Et, et, et ça me prend un temps fou à sortir de ce carcan, parce que je me fais doubler aussi par ma gauche. Et dès que j'ai réussi à sortir, bon là j'accélère euh, franchement. Attention là ça va... Euh, attention là, euh, Fermez pas les yeux, excusez... hop euh, j'accélère. J'accélère pas du tout, en fait j'ai horreur de ça aller monter. Euh, Nate est à Ulsan et rejoint Busan demain, c'est génial le sac à dos, c'est no way. Le mulot, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment genre le sac à dos, c'est pratique. C'est-à-dire que si vraiment en dernier ressort, tu dois prendre un sac à dos, ok, d'accord. Mais sinon, c'est no way. Ah, mais bonjour, Ambroise. J'avais pas vu que tu étais là. Comment vas-tu Tu me manques beaucoup. Heureusement, je te vois demain. Oui, je sais, je t'ai vu hier, mais enfin, quand même, tu me manques beaucoup. Je ferai pas 150 km dessus sans cuissard. De toute façon, tu ne fais pas 150 km sans cuissard, euh, Ambroise. Regardez-moi ce coup de soquette légère d'Ambroise. Ce morphotype de cycliste, moi je suis complètement jaloux. Hein. Moi, j'ai un morphotype de cycliste, mais plutôt celui qui regarde le Tour de France, vous voyez Avec un petit peu de brioche et une bière dans la main. Voilà, ça c'est mon. c'est mon, mon côté cycliste. Je vais essayer de passer un petit peu. Ah bah ben non, parce que là, je vais faire le tour du pâté. Pour essayer de filmer un peu tout le monde. Ça, c'est mon côté euh, réalisateur euh, contrarié. Voilà. Non, Denis, on a dit. Bon, ça, c'est le Panthéon. On a dit qu'on faisait le tour, Denis. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Euh, on va faire. Ah, ça y est, on est parti faire le tour. Mairie du 5ème devant vous. Et hop! Alors, c'est vrai, quand on voit ce groupe arriver sur la route, ça fait un petit peu impressionnant. Surtout que là, il n'y euh, a pas tout le monde encore. Hein. On fait un regroupement ici, figurez-vous, parce que c'est après une montée. Les organisateurs, euh, ils organisent. Hein. Hop, 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 attention. Hein. Ce n'est pas, les... pas des perdreaux de l'année. Hein. Donc, euh, ils savent très bien. Hein, vous voyez les petits, euh, les, les petits foulards jaunes là. Comment ils me regardent dans les yeux, j'adore. Les petits foulards jaunes là, c'est pour les godes de la Sécu. Qui s'arrête euh, au carrefour. Ah, vous êtes beau. Puis alors, il y a de tout. Il hein. y, a, y a du mec affûté, on en l'icra. Vélo carbone. Il y a du gars qui est passé par là. Euh, là, devant vous, là, il y a même un vélo en 26 pouces qui est pliable. Vous voyez, on voit très bien la. On voit très bien le, le, la charnière au niveau du cadre ici. C'est rare les vélos de 26, le 26 pouces pliables. Hein. Bien, on va avancer un petit peu parce que là, on attend le redépart. Bah, dis donc, on attend, on attend drôlement, dis donc. Ah, ça y est, c'est reparti. Allez hop, tous en voiture. On prend de l'espace, mais pas très longtemps, c'est vrai, dit. Comme je disais à je plus qui hier, euh, Roller et Coquillage, eux, qui étaient plusieurs centaines. Euh, et donc le Roller, ça va un peu moins vite que le vélo. Alors, ils il bouchait les, les carrefours, mais pendant genre 10 minutes. Enfermé, pas de possibilité de sortir sans déclencher une attaque d'opportunité. Bah ouais, Birut. Tu recommandes par rapport au monoplateau. Alors attends. Euh, n y, n y, n y. Ah, ça parle. Euh, tiens. Hein. Je sens un peu mes jambes aujourd'hui d'avoir poussé comme un kéké direction place des fêtes, mais aucun regret, dit Kazadi. Bah, dès que je gagne au loto, je prends une petite Brooks, euh, dit Francis. Bah ouais, c'est vachement bien, ouais. Oui, euh, le vélo d'Ambroise a un double plateau. Moi, je suis pas contre le double plateau. Hein. La tombe du roi Clovis serait quelque part sous cette route. Ah oui, Bandini, ah oui. Bah, toi, tu es vraiment notre caution, euh, notre, notre caution euh, fun fact historique. Alors, Ambroise, je mets un bémol quand même dans ce, ce cette, euh, dans, dans la discussion euh, monoplateau, deux plateaux. Parce que là, par exemple, là, je suis sur un vélo avec trois plateaux. Bon, je vais pas plus vite. Hein. Je vais pas moins vite non plus. Euh, on parle là de, de, de ce qu'on appelle le développement. C'est-à-dire, combien de mètres va faire votre vélo avec une révolution complète d'une pédale Donc, ça peut être aussi court que. Un mètre, ça, moi j'ai un développement qui est très très court sur ce vélo là parce que c'est un euh, à l'origine c'est un VTT euh, donc j'ai si je me mets sur le petit plateau et le grand pignon en faisant un tour de pédale, je fais à peine un mètre. Mais des vélos de route, eux avec un tour de pédale, ils peuvent faire 10 mètres ou plus, ils peuvent faire 10-12 mètres euh, donc ça, c'est le développement. Après, les combinaisons entre le plateau, donc qui sont les, les, les dents à l'avant et les pignons, qui sont les dents à l'arrière, euh, peuvent changer. Euh, L'important, c'est est-ce que vous avez tous les développements qu'il vous faut Par exemple, sur mon vélo de route, qui était à l'origine destiné aux Pays-Bas, qui est un pays relativement plat, il y a deux plateaux, mais ces deux plateaux qui sont assez gros. Et donc, euh, quand je me mets sur le petit plateau et sur le grand pignon, pour avoir le développement le plus court, bah, je fais quand même 2,50 mètres 50 par tour de pédale. Et là, d'un seul coup, euh, bah, il y a des trucs que je peux pas, enfin, que je peux pas faire. Il y a des trucs, tu vois, par exemple, monter, euh, monter le, le, la butte Montmartre, euh, c'est chaud. Quand je dis 2m50 je suis pas sûr, ça doit être un peu plus même. Donc, euh, Patrick, ne te fie pas à 1, 2 ou trois plateaux. Fie-toi à. C'est quoi le, le développement maximum et le développement minimum par rapport à ce que tu veux faire, toi. Si tu habites à Grenoble par exemple, qui est la ville la plus plate de France, le sachiez-tu Eh oui. À Grenoble, tu t'en fous d'avoir un petit développement parce que bah, si tu fais que de la ville, euh, c'est tout plat. voilà Bon, après, si tu veux sortir de Grenoble et monter dans les, dans les, dans les, dans les, dans les chemins, euh, là il te faut un tout petit développement parce que dès que tu sors de Grenoble, bim, ça monte. Monoplateau avec une grosse cassette de 40. Oui, mais 40 et euh, quoi Parce que 40 c'est le plus gros pignon, mais le plus petit c'est quoi Ça flexe les vélos quand même. Bah, je suis tout à fait d'accord, Francis. Ça flexe son petit. C'est Loba qui dit Eh, hey, c'était moi J'ai fait du roller et coquillage à l'époque, marrant que tu en parles. Ouais, puis Biarritz, il euh, y avait du monde à l'époque. Hein. Moi je, je crois que c'est la première. Euh, c'est les. Première euh, euh, sortie sportive comme ça que je vois organisée. Euh, D'ailleurs, organisée, en parlant d'organiser, j'ai oublié d'en parler à, à Mithy hier, mais il y a un moment, il faut qu'on prévienne la préfecture, là, parce que plus de 100 personnes qui foutent le, le, le souk comme ça dans, dans Paris, il y a un moment, euh, la police, va faire. Dites-donc, les petits amis, là Calista, bonjour, sympa vos balades, j'ai entendu le nom de mon quartier. Alors, c'est quoi le nom de ton quartier, euh, Calista Bandini, il y a la rue Clovis et la rue Clotilde derrière le Panthéon pour avoir un indice pour citer le tombeau. D'accord, ok. Je rêvais de le faire quand je, quand je suis arrivé à Paris, mais le roller ne m'aime pas, j'arrive pas à freiner, du coup, j'ai aimé faire cette alors, euh, Calista, moi, j'ai acheté des rollers. Je me suis entraîné au roller sur un immense parking. À l'époque, j'habitais à Poitiers, et c'est cool parce que Poitiers, il y a le Futuroscope, donc il y a des grands parkings vides. Et, et puis, je suis retourné faire du vélo parce que bon, j'y arrivais pas. Hein. j'incrimine je, je, pas là, le, le, j'incrimine pas le roller. Hein. J'incrimine euh, <laughs> le, le mec qui essayait de faire du roller. Frankie, Meilleur Jeune Forever, mais ouais, évidemment. Rappelons que Sebum est le professionnel du développé couché, rubrique célèbre de CPC. C'est effectivement vrai ce cartilage. Alors, c'est pas lui l'expert le, le, en développé couché. Je crois que c'est Agbou, non C'est ça C'est des balades sauvages, c'est ouf que ce ça n'est pas sauté. Alors. Pour rappel, l'année dernière, donc à peu près cette période-là, on était une vingtaine. Donc là, c'était vraiment balade entre potes et voilà. Maintenant, systématiquement, Ambroise en est témoin, en tout cas ces deux dernières semaines, on se, on se réunit à la Bastille et il y a des cyclistes qui, qui s'arrêtent, qui font euh, Vous faites quoi là Bah là on va faire une petite balade dans Paris, euh, je peux venir Bah ouais. Et les mecs, euh, les mecs, et les nanas d'ailleurs, parce qu'hier c'était une fille, euh, se, se greffent euh, à la maillot. Rappelons que Okami avec 340 personnes n'a pas sauté, donc Mayo ne sautera pas d'Hydra Loco. Euh, ouais mais Okami sort sortent de Paris non Balle perdue pour le futur. Alors aujourd'hui je sais pas, hein, mais moi à une époque j'avais mon bureau qui donnait sur le parking principal. Je, je suis bien resté 10 mois et pendant 10 mois il n'y avait pas grand monde hein, sur le... Salut Citypix, comment vas-tu Ça fait plaisir de te voir, dis donc on a commencé à évoquer le sujet. On ne va déclarer la ride en préfecture pour le moment. Trop compliqué, d'autant plus que pour le moment, nos rares interventions avec la police ont été po très positives. D'ailleurs, parfois, des voitures de police ont bloqué la route afin qu'on passe au rouge. Ah, écoute. Euh, oui, bah, j'ai envie de dire, comme disait ma grand-mère, euh, pourquoi tu vas réparer un truc qui n'est pas cassé hein Et Puis euh, ma grand-mère, elle était savoyarde. Donc, au euh, niveau du bon sens, hein, on en avait. Faut du bon sens hein, pour habiter dans un pays où euh, ça monte euh, d'un côté, ça monte de l'autre, ça monte derrière, ça descend devant, enfin, voilà. La semaine dernière, 110, 115, mais non Là, là, là ce qu'on est en train de voir, là, on était plus de 100, non J'avais entendu dire 80, moi. 130 hier, ça j'ai dit, ouais. J'espère que tu n'as pas trop fait de folie pour ton anniversaire. Je fais des folies tous les jours, voilà. notamment pour euh, votre divertissement en faisant du vélo. Parce que je vous rappelle hein, que c'est le sport le plus dangereux à pratiquer en ville, hein, parce qu'on risque la mort quand même à tous les carrefours. Euh, je plaisante évidemment, euh, prenez pas ça au premier degré. Euh, non, en revanche, euh, juste après mon anniversaire, j'étais à la Gamescom pour aller manger de la vurte, c'est de la cartoffle. Ok, Okami, c'était full Paris. Je dois confondre avec, euh, avec la Sarou, pardon. Bah oui, la Sarou qui sort de Paris. Pourquoi tu dis si, si C'est moi qui ai compté la semaine dernière. Ok, d'accord, ok, d'accord. Donc, on était plus de 100 la semaine dernière. Donc, ce que vous voyez là sur les images. Euh, et hier, 130. C'est complètement dingue. Oui, Sarou, on sort de Paris. Vous décidez ces sorties, vu le nombre, ça commence à faire un sacré train. Vous non, on ne les déclare pas, justement, c'était l'objet de la discussion, Bandini. Euh, on ne déclare pas. Et encore une fois, vu qu'on n'a jamais eu de problème, et euh, Draloco euh, le soulignait... Euh, on est euh, à peu près bien vu euh, de la police quand on a eu à avoir des interactions avec eux. Mais notamment parce que vu qu'on qu roule de façon euh, raisonnée, c'est-à-dire qu'on met des cyclistes pour bloquer les, les, les intersections, etc., on a des marshals. Euh, donc les flics voient que c'est un peu organisé. Et puis surtout, quand on passe à vélo, à 20-25 km/h, euh, on n'embête pas euh, le monde très longtemps. Quoi. Quoique hier, rue Jean-Pierre Timbaud, qui est une rue à sens unique qui n'est pas très large, euh, on a dû passer quand même un certain temps. Voilà. Ça se, mais ça se compte en minutes, quoi. Pas, euh, pas en quart d'heure. Notez que le quart d'heure, c'est un peu des minutes. Faire des folies, c'est bien, c'est le trop qui est dangereux. Euh, non, mais moi, quand je, fais, quand je dis faire des folies, c'est que j'embrasse je, 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 la vie, voyez. Je, je, et puis j'espère que ça va durer le plus longtemps, donc j'essaie je, d'embrasser la vie de façon raisonnée. Voyez fait de vélo depuis 20 ans, j'en faisais à la campagne, mais à Paris, non, vous devriez aussi aller faire le long du canal de l'ourc, c'est sympa. Il y a pas mal de kilomètres à faire. Écoute, ça, c'est drôle parce que hier on a fait le canal Saint-Denis, et ouais, c'était certainement mon honneur. Et on est monté, euh, ouh, on est monté jusqu'où on est monté drôlement loin, euh, dis donc euh, ceux qui étaient là hier. Je suis typique, je dis, est-ce que vous avez été au Blatt? On a été au truc d'à côté, figurez-vous, parce qu'il y avait les instances de euh, Origami, vous savez cette petite chaîne euh, qui monte, euh, les instances d'Origami qui, qui, nous, qui nous demandaient de se joindre à eux, et ils n'étaient pas à l'ExtraBlat, ils étaient à côté, voilà. Bon, euh, donc euh, bon, moi j'ai pas d'action à l'ExtraBlat. Hein. On parle d'un bar à Cologne. Pour ceux qui savent pas, on parle d'un bar à Cologne qui est le bar favori euh, de Louis Ferdinand Sebum. Eh oui, mais ça reste entre nous, hein. Vous dites pas ça à tout le monde. On a surtout une bonne orga et pas de bike life. Ouais. Alors après les bike life, c'est pas, euh, c'est pas des, des... c'est pas des hors la loi. Hein. C'est pas des... Nous-mêmes, on est hors la loi. Regardez, là, de brûle les feux rouges. Oui, hier, on était jusqu'au Stade de France. Mais je me pensais de l'autre côté du canal. Je ne me rappelle plus euh, du nom de la ville. Ça va me revenir. Ça va me revenir avec un grand confort de... Je vais regarder sur mon téléphone. Et ouais, pourquoi La Courneuve. On a été jusqu'à la Courneuve. Ah oui. C'est prévu. Alors, pas fait de... Mais on va faire le long du... Euh, donc, Biarritz euh, répond... À Calista, euh, on a une sortie de 100 km samedi, euh, départ 9h dans la Bastille, jusqu'à Meaux. Et moi j'ai déjà, des, déjà des, euh, des obligations, je suis daise parce que moi j'ai vu ça cette semaine, j'avais déjà des obligations et je me suis dit, ah bah crotte, parce que ça c'est vraiment un truc que je voulais faire quoi. Origami ils boivent du jus d'orange, alors Baji, Origami ils font plein de trucs. Euh, alors, donc là on passe euh, derrière euh, les Invalides. C'est le bâtiment qui est tout en haut à droite. Avec la statue de, du général, truc. <laughs> derrière les Invalides. Et regardez-moi. fier comme, euh, comme un bar tabac. La dame de fer parisienne. Euh, la tour Eiffel qui se dresse dans ce ciel qui est un peu orangé là. Et ça c'est Canyon Boy. C'est Canyon Boy ça? Ouais c'est lui ça. Avec ses chaussettes hautes et tout, non? Non mais il y a eu énormément d'accidents à Okami. Ouais alors après ils font des ils font un peu les ozos et puis ils ont des fixies, c'est ça, Okami? L'amour de Louis-Ferdinand Sebum pour ce bar est sûrement dû à son nom en consonance kafkaïenne, que n'aurait pas renié Grégoire Samsa. Euh, Extra Blatt, on a quand même regardé cette année, parce que pour, nous, dans notre imaginaire, c'était un énorme insecte. Euh, et en fait, très déçu après avoir vu la traduction, que je ne vous donnerai pas, parce que ça n'a aucun intérêt. Non, ce n'est pas Edouard. C'est un groupe d'allemands qui a rejoint. Vous parlez de quoi là les gars Ah oui il y a du monde en voyant le tournant en fait ça fait du monde à vélo. Oui et encore nous on est dans le, dans le paquet de tête hein, là. A hein. pas confondre avec le pâté de tête qui est un... c'est plutôt genre une entrée vous voyez. Avec de la gelée. Bon alors moi j'étais content d'être avec ce vélo là parce qu'il euh, répond, euh, répond beaucoup mieux. Surtout que là, il est monté avec les pneus slick. Euh, donc, je peux prendre les virages à balles. J'ai les pneus slick gonflés à 6 kilos euh, quand c'est sec comme ça, là. Ouah Ça tient le pavé. Je ne parle pas des fixies à Okami. Je parle du gros VTT qui faisait des leurs tricks. Je te montrerai lundi, si tu veux. Mais nous aussi, on a des vététistes qui font un peu n'importe quoi, là. Blatt, c'est une feuille de mémoire. C'est une feuille... Euh, je sais pas, euh, Ambroise, toujours là ou pas Ou n'importe qui d'ailleurs qui a Google sur Slet. Salut Kalé Manudo. Le mec qui se prend les pieds dans le tapis en disant ton pseudo. Merci, 59 e mois d'abonnement. Oh là là, cœur sur toi, tous ceux que t'aimes. Extra Blatt, édition spéciale. Merci Oscar Tillage, c'est ça. Donc on se disait, putain édition spéciale, c'est vachement moins cool que énorme Blatt, tu vois. Euh... penser à préparer une voiture en forme de lapin pour balancer des stickers CPC et des bouts de saucisson aux Parisiens sur les trottoirs ouais ce serait du saucisson euh, VG tu vois ou des faucisses comme ça on leur envoie dans le, dans le visage ya euh. ja. au auf deutsch bonjour Tini je t'avais pas vu dis donc Alors, et euh, dans l'organisation, effectivement, euh, là vu, euh, vu que ça commence à prendre de l'ampleur, maintenant on est euh, aussi équipé en radio pour euh, quelques-uns des organisateurs, et donc euh, il y en a un avec une radio en tête de cortège et un euh, notamment euh, à la fin du cortège euh, avec une oreillette et un petit un peu comme le Tour de France, vous voyez, ils, ils font comme ça, ils pincent un peu leur maillot, ils font. Ouais, euh, Mithy, euh, on, euh, on est invalide. <tousse> ah, mais ouais, mais vous faites chier. Nous, on a pris 500 mètres d'avance. Donc, après, il s'arrête. On fait un regroupement et on repart. Les regroupements que je préfère, sincèrement, c'est le regroupement de type rond-point. Pourquoi Parce que vous arrivez dans le rond-point et là, vous dites euh, au groupe de tête on tourne et on tourne euh, sur le rond-point jusqu'à ce que tout le monde soit là. Et après, hop, on repart. Voilà. Le gars en full bikepacking était un groupe d'allemands qui a rejoint, on a dû chercher son fils Théo, ah mais oui Draloco je m'en rappelle, bah c'est là qu'on s'est arrêté, on a dit putain on a perdu Théo Et tout le monde se disait mais c'est qui Théo Bon après avec 100 personnes ça se trouve il y avait un mec qui s'appelait Théo dans le groupe. Mais effectivement donc c'était un groupe d'allemands, ouais. excuse-moi euh, Draloco mais moi ça fait, ça fait 8 jours, donc euh, autant dire que je l'ai plus en tête. Bon, là, on attend Théo, donc je vais passer un petit peu, même si, regardez, cette vue plongeante, là, sur, euh, sur Louis-Ferdinand Sebum, on va avancer un petit peu. Super, ok, Denis. Voilà, et on est reparti. Bonjour, Denis. J'avais pas dit bonjour, en fait. Mais écoute, Chidi, c'est pas grave, voilà, on dit bonjour. De toute façon, ici, tu sais, c'est à la bonne franquette, euh, comme on dit. C'est Monsieur Chat, le type en impair avec le vélo gris. Euh, Pneu Pneu qui filme. Ah, euh, Estide bonjour à toi. Ça pourrait, effectivement, il a une vibe Monsieur Chat. Mais non, mais Monsieur Chat sur un vélo, mais jamais de la vie, en fait. C'est pas possible. Donc non, c'est pas Monsieur Chat, mais oui, je vois exactement d'où tu viens. On a abandonné l'idée des Toki pour communiquer, on est passé au téléphone avec Kit Main Libre. Euh, ah oui, avec le, le, les applis là, de Toki, là. Mais c est, c est, ça, ça pour dire, voilà, dans cet orga... Euh, on a aussi maintenant des, de la communication entre le, le début et la fin du cortège, euh, des petits foulards maintenant euh, pour les marshals, etc. etc. On essaye de, voilà, euh, sous l'impulsion des, des, des quelques personnes qui tiennent euh, le, la maillot jaune en main, on essaye comme ça de. de on peut le dire, on, on, on est en train de EP er notre game. Voilà, c'est tout quoi. Moi, j'attends que ce soit vraiment comme ah bah, et Myriam qui est là, toujours enthousiaste. C'est un vrai plaisir, en fait, de voir des gens qui sont vraiment très, très contents de faire du vélo, quelles que soient les circonstances. Parce qu'on a fait du vélo avec ces gens-là quand il faisait froid, quand il pleuvait. Après, quand il pleut, généralement, c'est annulé. Mais euh, l'enthousiasme est toujours là, et ça, c'est cool. Oui, mais je suis regard. En plus, c'est moi qui ai, qui ai crié Théo. Théo, Théo. Euh, oui, alors il y a Maurice dans l'orga dans, dans dans aussi. Monsieur Chat a le bon morphotype pour faire du vélo. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Ambroise. Il a vraiment le truc un peu... Euh, comme ça, un peu euh, longiligne. Euh. Je viens avec mon vieux D4. Je crève, je repars avec un vélo de route. <laughs> bon, écoute, tu peux essayer, hein. Vous êtes à vélo vous pourriez communiquer par pneumatique merci au Tu as repris une belle pour l'équipe c'est le 15e exactement on va faire un petit point donc là on est en train de on a passé l'arrière du champ de mars et là en fait on est vous voyez ça là ici cette ligne là de métro là qui va qui descend pendant ce qui fait tech jusqu'ici là jusqu'à Invalide c'est euh, la ligne de métro euh, aérien. Ah non, elle va même, ju elle va, elle va même jusque-là, jusqu'à nation, pardon. Et après, elle reprend... Euh, c'est la ligne... Je crois que c'est la ligne 2 qui est en dessous. Et la ligne 6, elle, elle fait le, le, la même, mais au-dessus, jusqu'à euh, jusqu la place de l'étoile. Et ces deux lignes de métro, donc la 2 et la 6, qui sont les métro aériens, suivaient euh, le mur de tiers. Voilà, on parle... Euh, je crois qu'on parle du mur de tiers à chaque fois. Euh, dans ces, dans ces trucs-là. Donc là, on est là. On vient de passer le champ de Mars. On suit la duplex. Vous voyez, là, on suit la, la ligne aérienne, Birakem. On va passer donc à proximité ici de la Tour Eiffel. Et on va traverser le Rhône. Mais non. C'est la Seine, évidemment. Métro aérien, là. Euh, ici, là. Donc ça, c'est la ligne 2. Je crois. Hein. 2 ou 6. Je me, je me trompe de temps en temps. Vous pouvez peut-être me corriger, mais. Euh, et avec des stations de métro euh, très euh, steampunk euh, slash rococo. Allez-moi ça. J'adore ça moi. C'est vraiment la classe ces trucs-là. Plutôt classe le gars en rouge. Ah ouais puis alors... Mais hier il avait mis un maillot orange. Ah, J'ai dit attention, rouge, orange. Attention hein. Généralement quand je prends pas la même, question, la même couleur, moi je tranche. Tu vois Field of Mars, super impressionnant en anglais, oui effectivement. Field of Mars et Trocadéro Gardens. En revanche, ils ont pas mis Charles de Gaulle Star. Très déçu. Hop, on va traverser la scène. C'est tipard, alors là, vous savez, ça c'est le, 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 le trottoir euh, central, là, sous le métro aérien, avec euh, tous les gens qui viennent se faire prendre en... Vous voyez là, par exemple, <coughs> quelqu'un avec carrément un setup avec des lumières et tout. Pourquoi Parce que c'est un pont euh, où on a un visuel direct sur la tour Eiffel. Donc les gens euh, viennent se prendre en photo. Là, vous voyez cette petite avancée sur le pont là, euh, à votre droite, au-dessus de ma tête. Euh, les gens sont tous là pour prendre la tour Eiffel euh, en photo. Avec eux devant, sinon euh, on peut pas mettre ça sur Instagram. Tu sais que tu as le flyby sur Strava pour montrer où tu es sur la map euh, Ouais. Euh, ouais, mais après je peux pas la synchro avec ma vidéo, tu vois. Surtout que ma vidéo, elle est, elle est généralement pas complète. Il y a des moments où il y a des coupes, etc. En tant que cliché, je trouve le nord de Paris trop ignoré sur ce stream. Alors écoutez, si. Je... Je suis typique. Si j'avais pu filmer hier, il hein, n'y en avait que pour le nord de Paris. Hein. Voilà. Je vais te montrer d'ailleurs euh, ce qu'on a fait euh, hier. Il n'y a pas de raison. Il hein. n'y rien à faire de toute façon. Vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'on en est là Non. Ah. Ah bah voilà. Donc hier, on a fait 25 km. Et voilà la trace. Donc vous voyez, on est parti de Bastille ici et on est remonté bouh, tout là-haut. Sachant qu'ici, là, euh, ça doit être le Stade de France quelque part ici, là, non Bah ben je sais pas où est le Stade de France, dites donc. C'est là ça doit être là le stade de France, non Là vous êtes en train de me dire non plus haut, plus bas. Bon C'est quoi déjà le super outil qui permet de faire un suivi de parcours en 3D Ah oui, pff, ouais, non, je, je l'ai essayé une fois ou deux, mais euh, j'ai pas euh, à moins que ce soit là-haut. Mais non, attends, c'est. ça longe l'autoroute. Tout en haut de la map. Il est où l'autoroute Il est à l'autoroute, non Ah, vous allez me prendre pour un, pour un débilos. Bon, en tout cas, on est monté jusque là, vous voyez, sur le canal Saint-Denis. Donc ça fait quand même une belle trotte par rapport à la Villette hein, qui est bien au nord de Paris. Donc voilà, hier, le nord de Paris était euh, à l'honneur. On reprend sa petite map. C'était deux crans après. C'est ça? C'était là. Semaine d'avant. Et. C'était celle-là. 19 août. Oui, c'est ça. Hop là. Alors, on est où là? On traverse la scène. Ok? Allez hop, tout le monde à gauche. Un indice c'est à Sunny. Après, c'est pas Google Maps, hein, le map, ça, ça, doit être, euh, ça doit être une autre, euh, une, une autre map euh, qui est utilisée pour ce travail. C'est juste là, d'accord, ok. Bon. Euh, ouais, Relive, je l'ai utilisé, ça, dans des balades à, vélo, à moto, pardon. Mais je suis pas... Je suis pas convaincu. Juste après ce pont Birakem, on a eu une interaction sympa avec la police qui voulait nous bloquer Ah oui, qui voulait nous bloquer la route. Ici, là. Donc là, on va monter dans le 16e arrondissement. Je vous ai pas dit, mais aujourd'hui on va pas. Ouais, il reste, euh... il reste un petit quart d'heure et ça va être le fin, la fin du stream aujourd'hui. Et quelle heure ouais, C'est ça. On va terminer un peu plus tôt que prévu euh, parce que j'ai du travail d'une part. Et puis d'autre part, j'essaie de pas trop de, de vous gaver parce que demain il y a quand même une, un truc extraordinaire demain. C'est le, c'est le premier épisode. De la nouvelle saison de l'émission Canard PC et c'est Agbu qui présente. Je peux vous dire, euh, j'ai vu le, j'ai vu le programme. Euh, ne manquez pas ça hein, demain soir. Finzer, salut à toi. Euh, c'est la, c'est la maillot de la semaine passée. Il y a eu une belle chute. Il y en a eu une hier qui était, qui était épique de chute. Spécial rugby il était tel honneur j'ai pas le j'ai pas la rêve tini excuse moi c'était la première fois que je voyais le stade de france autrement que depuis le train ou l'autoroute Impressionnant de construction Ah, que avais dit avait jamais été au stade de france alors un truc qu'il faut faire au moins une fois parce qu'après tu vas dire bon en fait ça sert pas à grand chose c'est d'aller à l'intérieur du stade de france pour une euh, pour euh, une pour un événement un match un concert un... parce que 80 mille personnes c'est quand même impressionnant J'ai trouvé ça très sage comparé au PCR que je faisais il y a 10 piges. Alors, le, le, la maillot jaune, c'est écrit dans le titre. Hein. C'est euh, sage. Donc, on, a, euh, on est à moins de 20 km/h de moyenne. Euh... Bon, là, il y avait un petit embouteillage quand même. Hein. Moi, j'essaie de dire aux gars, bah, vous pouvez y aller. Mais il s'arrête en fait. Et je fais bon, bah, j'y vais. Hein. Hop. Denis Denis sur Strava, 2573 sorties à vélo. Oui, bah j'utilise je, je, bah, Strava depuis longtemps en fait, c'est ça. Il y a eu trois chutes hier hein, dans la loco, moi j'en ai vu qu'une, elle était impressionnante, c'était justement sur le canal Saint-Denis là. Euh, je crois que c'était une jeune fille qui a pris la bordure avec son pneu. C'était. On roulait vite en plus à ce moment-là. Un mec solo le long du canal, une meuf vers la villette. Ah, c'était un mec le long du canal Bah Mimi, Ingo... Euh, Mimi, elle tombe, Mimi, elle est tombée. Mimi, elle est tombée Bah à l'arrêt, ça compte pas. Euh, merci Oscar Tillage. Oui, l'émission demain, c'est à 20h sur euh, la chaîne Twitch, évidemment, là où vous êtes aujourd'hui. je crois que c'est en direct aussi sur euh, notre chaîne YouTube. Euh, maintenant, pour l'émission, je crois qu'on fait les deux. Alors je ne sais pas si ça reprend euh, les deux là à la, à la rentrée. Euh, je sais que les dernières émissions l'année dernière euh, étaient en direct sur Twitch et sur YouTube simultanément. Après, moi je trouve ce qui est dommage, c'est que ça, ça divise les, les flux de chat. Et donc, du coup, si on essaie d'interagir avec le chat, bah là ça fait deux chats et ça devient beaucoup plus, un, plus... Ça devient beaucoup plus compliqué à, à essayer d'avoir toutes les, les remontées. Euh... Euh, ah oui, tiens, Francky euh, dit juste il euh, y a des places pour les Jeux euh, para au Stade de France. Si vous voulez voir le Stade de France pour pas cher, je crois qu'il y a des places à 40 balles. Bon après faut pouvoir aller au Stade de France. Faut pouvoir aller au Stade de France le jour de l'épreuve, par exemple, parce que des fois c'est en semaine, et puis il y a des gens qui travaillent. Euh... Pas vu la chute hier, la semaine dernière, c'est parce que le cycliste a pris un petit bord de trottoir dans le sens du Bah oui, non, ça il faut faire attention. Hein. Si tu veux du moins ça, je viens à Saro, dit draloko. effectivement, oui. J'ai vu les Stones en 98 et Guns and Roses en 2018, je crois, au Stade de France. C'est effectivement impressionnant de se retrouver là-bas. Alors, Bandini, euh, les Stones, ça devait être plus impressionnant que les Guns and Roses en 2018, qui, avaient déjà, euh, qui étaient déjà un peu émoussés. Hein. Même si les Stones, les mecs, 98, ils n'étaient pas tout jeunes. Hier, il y avait le gosse que j'ai protégé sur le canal aussi. Il a roulé un peu avec nous. Ah, mais oui, euh, euh, Draco, c'était euh, sur, le, sur le canal Saint-Denis. J'ai trouvé ton initiative d'ailleurs absolument adorable parce que l'enfant le, le, a dû se dire ah ça va c'est bon c'est bon je fais partie du, fais partie du groupe là voilà. il peut rien m'arriver trop de chat tu le chat dit Zerine euh, Mogul, effectivement ouais faut passer au chien merci merci loco c'est à partir de 15 euros, Stade de France. Si on, si on voit bien, mais au dernier rang. Bon. 15 euros, effectivement, c'est pas très cher. Je crois qu'on a plus de modo YouTube depuis que Tonton YoYo -Yo a pris sa retraite. Ouais, effectivement, ce cartilage, ça pose un problème de modération. Donc, mais peut-être que le chat est, genre, je sais pas, en emotionally ou un truc comme ça. Moi j'ai pris des places pour les Jeux Paralympiques au, au Grand Palais pour aller voir de, de l'escrime. J'adore ce bâtiment. Alors, moi, c'est un de mes bâtiments préférés à Paris. C'est complètement dingo. Pour ceux qui ne sont jamais rentrés dans le Grand Palais, si vous voulez avoir une idée de, 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 du gigantisme, c'est impressionnant. quoi. Toujours là en protection, euh, locaux. On s'est mis dans l'aspiration du petit, ça a permis de rouler plus fort. <laughs> Ah bah voilà, ça y est, Biarritz qui remet à peu près euh, tout le monde. Moi tu vois, tu me remets, tu vois qui je suis. Trop beau le Grand Palais. J'ai pris le dire à l'arc. Alors, ça doit être le tir, le tir, hein, dit Kazedi, d'accord, Oui, okay. euh, c'est les marshals qui remontent là. Euh, ils remontent pour aller bloquer les rues d'après. Ouais, parce que nous, on est des feignasses, on est là dans le paquet tranquille, on papote, hein. on papote, on papote. mais comme des vieux. Euh... Alors, on est là, alors toi, machin, là... Ah, tu roules à 4 kilos dans le pneu avant, ok, d'accord. Ça, c'est Mister, euh... Mister Brompton, il a un magasin de Brompton, son Brompton, il est decked out, mais de ouf. Il a des freins à disque, il a une cassette Duras, un peu d'ailier, je sais plus quoi, en carbone. En gros, il s'est fait zizir. Il s'est fait zizir. Bon, après, euh, le nombre de modifs qu'il y a sur son vélo, je ne veux même pas savoir le prix du, le prix du Brompton. Hein. Ah, bon, Biarritz voit qui je suis. Tout va bien. Bon, on va avancer un petit peu, là, parce qu'on est, on est un peu coin là. Hop, c'est reparti c'est pas obligatoire les casques à vélo? Ah, bah Bandini, voilà, euh, voilà une question intéressante. Le casque de vélo est obligatoire, mais jusqu'à 12 ans. À partir de 13 ans, c'est à discrétion euh, du cycliste ou de ses parents. Personnellement, je mets un casque. Je. Je vais pas faire de prosélytisme, mais moi, je suis tombé sur la tête avec un casque. Et quand j'ai vu l'état du casque, je me dis. Hmm. On va garder le casque, hein, parce qu'on sait jamais. Parce que quand j'ai vu la tête du casque, je me suis dit, là, j'aurais pris cher. J'aurais pris super cher. Tu t'es vu, le coup <laughs> Je t'ai pas. pas vu. T'avais avais quoi comme, euh, comme, euh, comme paletot euh, la semaine dernière J'essaierai de refaire des biscuits au curcuma pour lundi prochain, euh, dit Patrick. Bex, Bex Stuff, euh, qu'on appelle aussi Mr. Purple, euh, Patrick Purple. Bah moi, j'ai roulé deux mois avec le Brompton de Maurice et je suis convaincu. Euh, c'est vachement bien. En plus de ça, il y, y a. Bon, euh, moi, j'aime pas les Brompton, pour une raison toute bête, hein, c'est les routes 16 pouces. Vraiment, sincèrement, je peux pas. Euh, et vous allez me dire, tu te fous de notre gueule parce que tu roules sur un vélo pliant, mais c'est interne avec des roues de 20 pouces. Et la différence fait vraiment une grosse la différence de 4 pouces, ça fait vraiment une vraie différence. Euh, nonobstant les problèmes de pièces détachées, parce qu'effectivement, des roues de 20 pouces, on a quand même. Oh bah, on est au trop quart, regardez. Là, ça commence un peu à bouger parce que la luminosité baisse. Je suis désolé. Hein. Ça va vous donner un petit peu mal au cœur. Euh... En revanche, euh, donc, tu... je peux penser tout le mal que je veux des Brompton. En revanche, il y a un truc, ça, sincèrement. Je leur tire mon chapeau, c'est que toute leur production, elle est en Angleterre. Ils font travailler des, une usine en Angleterre avec des soudeurs, euh, bref, Et ce qui explique un petit peu la différence de prix, c'est que ils se font drôlement mal, euh, ils se font mal au sein pour que les vélos soient fabriqués euh, intégralement euh, là-bas. Euh, accessoirement, c'est le vélo qui est utilisable, on va dire, qui est une fois plié euh, le, le plus petit. Le Savietu euh, Brompton est né. Parce qu'il y avait une demande des plaisanciers qui voulaient avoir des vélos sur leur sur leur bateau. Et ils disaient ben nous on n'a pas de place. Donc c'est quoi c'est quoi l'idée Alors l'idée c'est de mettre des petits trous, des petits cadres, des trucs pliants, tac tac tac, comme ça vous mettez ça dans votre bateau et arrivé au port, tu déplies ton, ton vélo et tu vas faire des courses. Voilà. Oui Jean-Paul Sartre c'était Sean Paul Sartre pardon c'était lui les cookies. Et Patrick Patrick les cookies. Le casque pour la sécu, le style et l'aéro, a dit Francky, exactement. Oui, euh, loco, ça a sauvé la vie de, de tout un tas de potes. Euh, moi, je me rappelle de, de mon pote Olivier, euh, qui a. C'est con comme la lune, hein, mais ah oh bah regardez, Paris s'allume. Paris il est tombé sur des feuilles mortes euh, à l'automne. C'est con comme la lune, mais bon, il, il tournait. C'est pas vraiment un vététiste. Il tournait, hop, la, rue, la roue en portefeuille. Et bim, alors là, quand on tombe comme ça, on n'a pas le temps de mettre les mains. Donc lui, il est tombé en premier lieu sur la tête et sur le trottoir. Ça a cassé son casque et ça a failli lui péter l'arcade. Il, il a eu un oeil au beurre noir, mais pendant trois semaines. Et bah, lui, c'est un utilisateur de casque convaincu, hein, comme moi. Quand ça vous arrive une fois, vous êtes oh, OK, d'accord. C'est pas, pas vraiment du superflu, quoi. Ouais mais 16 pouces, j'ai venu à 35 km sans problème. J'ai mis à la main des routes. Je suis d'accord avec toi. Mais imagine ce que tu aurais pu faire avec un 20 pouces. Non mais c'est surtout aussi pour le le, euh, le le fait que ce soit très compact un hein, Brompton. Du coup, euh, je, regarde, je regarde où on en est là au niveau de la. Bon. On va, on va pas tarder à faire l'emballage. L'emballage final. Mais en même temps, là, il commence à faire nuit. Euh... 3, 3 vitesses... Il ouais, y, y, y en a aussi à 6 vitesses. Attention. Donc, euh, j'allais dire, pour garder le, le, le système compact, ils ont fallu il, il a fallu qu'ils designent des pièces euh, qui sont spécifiques au Brompton. Donc, il y a beaucoup de pièces euh, qui ne sont pas interchangeables avec d'autres vélos. Vous voyez, par exemple, les dérailleurs, les choses comme ça. Euh, donc, quand on est Brompton, euh, on est Brompton à fond, quoi. Voilà. Euh, c'est, je dis pas que c'est mal, hein. je dis qu'il faut le savoir. Euh, on peut pas mettre, euh... on peut pas mettre n'importe quel frein, on peut pas mettre n'importe quel dérailleur, euh, etc. On peut pas mettre n'importe quel plateau. Un Brampton 20 pouces pourrait craquer. Ah Patrick, je suis d'accord avec toi. Sauf que toi, t'es grand, Patrick. Attention. Il hein. y a des 12 vitesses maintenant. Ouh. Moi, j'ai un 8 vitesses, mais dans mon dans mon moyeu avec une, une courroie en carbone, c'est génial, parce que du coup, zéro graisse, zéro, euh, zéro cambouis, euh, hop, on peut le monter à la maison, le prendre, machin, sans se faire, sans salir, et puis surtout, zéro entretien, quoi Je, je, je moi, j'ai... Je, je, suis, je suis retourné chez... Le... Ah bah voilà Ah bah, 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 bah oui C'est ça dont on parlait euh, tout à l'heure Bah oui, mais il fait... Ah, des bras bon. Il fait un peu le kéké, et là... Hop La roue qui prend le trottoir c'est un classique. Bon après moi je dis ça, je suis en VTT donc moi ça m'aurait, ça me serait pas arrivé. Bon, plus de peur que de peur. Le guidon est un peu tourné. Il y a une petite trace sur le coude. Tout le monde s'arrête. Même Ambroise, hein, qui est... Ambroise c'est plutôt pour euh, par curiosité malsaine il fait. Il y a du sang. Il... il a perdu une dent. Qu'est-ce qui se passe Donc le vélo avait rien. Le cycliste avait pas grand-chose. Donc on a pu repartir, plus de peur que de peur exactement Oscar. <laughs> c'est fini la graisse, faut passer à la cire Alors eh, eh, locaux, et eh, moi j'ai encore un stock de, j'ai encore un stock de graisse donc euh, hop, moi c'est de la graisse liquide hein, dans, des, dans, dans une bombe. Euh, la, bah, la classique, la classique, Bah oui, le, la petite bordure, le pneu bien gonflé, hop là voilà. refus de refus d'obstacles. Et pan. Et ce jeune homme avait un casque, il y aurait-vous. Il était là hier, donc ça a l'air d'aller mieux, exactement. Ouais, ouais mais je lui, il fait, jamais trop gaffe. <laughs> euh, donc voilà, on a... Ah, Regardez-moi ça. Pour la fin de ce stream, on arrive euh, place de l'étoile. Euh avec là il y a toujours je crois qu'il y a toujours les anneaux olympiques ah non il y a déjà le c'est plus des anneaux c'est le sigle de le sigle paralympique que je trouve très joli c'est comme des virgules et alors que sur la tour Eiffel c'est encore les anneaux olympiques et Vous voyez là ce que de quoi je veux parler oui, oui, tout le monde le connaît évidemment voilà puis là on s'est on s'est arrêté histoire de faire un regroupement et ça va conclure, je crois. Hein, ça va conclure le stream. Je, je, je suis jamais. Il euh, y, y a encore une petite chlouquette ou pas Eh non, c'est pas ça du tout. Ah bah oui, il y a encore une chlouquette. Bon, là, on est sur le retour. Direction le bistrot. Bah oui, parce qu'il y a un moment, il faut. Merci pour ton 35 e mois d'abonnement, euh, Reboot. Reboot foireux. Cœur sur toi et tous les gens que t'aimes, évidemment. Refus d'obtempérer de, de, la, de la part du trottoir des fines herbes, exactement. Francky, ouais. ouais, mais, mais c'est un peu le problème. quand on, Plus on est nombreux, euh, plus il va y avoir de trucs un peu hasardeux. Alors, pour les, pour les gens qui aiment bien la technique, vous voyez que là, ça tremble un peu. Mais c'est parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a moins de luminosité. Donc euh, l'algo, pour accrocher les, les points euh, de, de, de stabilisation, a plus de mal. Donc là, ça vibre, voilà. Il y a de plus en plus de Bianchi, dis donc, et puis de plus en plus de Bianchi couleur bleu céleste dans, le, dans ce paquet-là. J'en ai vu hier des Vintage, là. Euh, Moi-même, j'ai un ami qui vient de s'acheter un Bianchi des années, début des années euh, 2000, euh, couleur bleu céleste aussi. Ouais, je suis 100 euh, personnes, ça pose, ça pose des problèmes au niveau de leur gars, ça pose aussi des problèmes au niveau du resto à la fin. <laughs> C'est vrai que quand on était 20, c'était quand même plus simple. Ça dépend de la phase de l'arc. Ah d'accord, ok, Sean Paul, j'ignorais. Je, je, Donc là, on est à, bah, vous voyez, là, on est à Donf sur l'autoroute de la déconne. Hein. Là, ça sent le, la fin de balade, hein. tout, le monde a, tout le monde accélère. Au moins aller... Ah oui, à moins d'aller au Grand Contrôle, ça risque d'être compliqué. Effectivement, ouais, il faut un endroit qui peuvent nous... Puis Grand Contrôle, on peut peut-être garer les vélos à l'intérieur aussi. Le rond-point est interdit aux vélos Mais attends, de quoi tu parles Depuis la création de la piste dans la rue derrière. Mais non, Biarritz, c'est pas possible. Alors moi, j'ai pas vu de panneau en tout cas. Hein. Oui, on va au Blédard euh, chez Tipix. C'est un bar qui est plutôt une pizzeria, mais qui fait bar aussi. Euh, avec des patrons très sympas, hein, parce que depuis le début, ils nous voient grossir et il nous accueillent. Euh... Nous sommes rue Lafayette, si ma mémoire est bonne. Rue Lafayette, ça monte. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte, mais là on s'en on fout. On est dans la douleur là. Puis vous voyez, moi je, moi, je remonte tout le paquet là. Hein. Y compris le livreur euh, qui est en mobilette là. Il y a des. Si, c'est une mobilette, ça. Hop, on lève la main pour s'arrêter. Et je crois que c'est la fin de la balade. Euh, on va, mais la semaine prochaine, je crois qu'on va refaire la maillot, mais la maillot de la semaine prochaine, du coup, pas la maillot d'hier. Et si ça veut rire, euh, je ferai aussi un petit aller-retour au Sacré-Cœur, mais euh, je prendrai la face sud, celle qui. celle qui monte euh, vénère. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, on a arrêté, je crois qu'on a. Bah, bah ici, voilà, on a arrêté, le... on a arrêté la vidéo ici euh, au croisement de, 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 du boulevard, quasiment en face de la Gare de l'Est. Ça c'est la Gare de l'Est. C'est la Gare du Nord, pardon. Ça c'est la Gare de l'Est. Ça c'est la Gare Saint-Lazare. Voilà. <laughs> croisement magenta, exactement. Euh, tech. Rappelez-vous qu'aujourd'hui on fête l'anniversaire de Lester Young. Si vous ne connaissez pas Lester Young, c'est normal. Il est né en 1909 un 27 août. Il est mort depuis... Hein. C'est pas Jeanne Calmant non plus. Hein. Et c'est celui qui a mis euh, au goût du jour le soft jazz. Vous allez voir. Hein. Ça vous cliquez sur le petit lien que je vous, ai, je vous ai mis là. Et du miel dans vos oreilles. Si vous n'aimez pas, je m'engage sous, sous dizaine à vous rembourser. Voilà. C'est vous dire que je suis à peu près sûr de moi. Hein. On s'en foutait. <laughs> Il y a une orgueille qui s'est fait arrêter par les flics. Plusieurs fois, elle travaille sur les champs. C'est elle qui m'a donné l'info. D'accord, ok. Bah écoute, pour l'instant, moi, j'ai pas vu de panneau, hein. TKT, depuis que j'ai amené Maillot là-bas, ils sont bien contents, dit Loco. Bah ouais, t'imagines, ils sont bien contents. Sauf que hier, la terrasse était quand même bien pleine avant qu'on arrive, hein. Il nous va grossir. Euh... J'ai coupé 5 minutes et il fait nuit. Bah oui, Biroute, évidemment. Quand on part à 20h, surtout que là, ça va aller de mal en pis, j'ai envie de dire. Bien, donc, rappelez-vous, demain, nous avons l'émission de Canard PC. L'excellente émission de Canard PC, c'est à 20h sur cette même chaîne. Et, tec, tac, tac, pourquoi est-ce que. Dis donc, toi. Euh, j'ai qui là Ah, bah ça y est, j'ai une live. Ah, euh, oh, Origami Allez, on va arrêter Origami. Origami Mais pourquoi Ah non, c'est ah, coupé, je lisais Orika Twitch. Non, c'est Origa Twitch. On va arrêter. Euh... <laughs> euh... euh... Yaren Yuki, t'arrives pile poil pour le raid. Alors, on fait un petit slash raid. Origa Twitch. Ah oh non, c'est d'un seul mot. Je croyais qu'il y avait un underscore, mais... Euh... Euh, merci Bandini pour ton deuxième mois d'abonnement. Non, c'est rudement sympa. Nous avons créé un raid. Euh, donc, euh, le but du jeu, c'est que tout le monde reste pour le raid. Vous dites bonjour, tout le monde dit bonjour chez Origami. Euh, et puis après, vous pouvez partir. Rappelez-vous, Origami ne lit pas toujours le, le chat, donc si vous répondez pas, c'est tout à fait euh, normal. Euh, mais... mais dis donc. Ah bah. Donc on va bien voir. Euh, moi je vous fais un gros bisou, je vous dis à mardi, n'oubliez pas demain à 20h, l'émission de Canard PC et puis plus généralement euh, toutes les émissions de canard PC qui vont reprendre, puisque c'est la rentrée. Ça y est, je vous fais un gros bisou. Et si vous roulez en ville euh, à bicyclette, arrêtez-vous au feu rouge, respectez les piétons, c'est super important. Parce que rappelez-vous, quand vous n'êtes pas sur votre vélo, vous êtes vous-même un piéton. Allez, zou, bisous